Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ouverture d'un bloc disque de marque Artago, modèle Maxton, avec des outils classiques. Donc un entraîneur en lame d'essuie-glace et un pic colibri de corbeau. Donc qui est normalement prévu pour les cadenas, mais utilisable sur ce modèle là, notamment parce que les disques sont très rapprochés et donc il faut pouvoir les appuyer indépendamment les uns des autres. Voilà. Donc même système qu'avec le cadenas à disque bas de gamme. On appuie sur les disques et on tente d'avoir une petite avancée de l'entraîneur en le relâchant pour enfoncer les disques. Donc on les tâte un par un et on essaye d'avoir des petites réactions. Alors il faut y aller doucement. Surtout pour l'entraîneur, il faut vraiment le laisser vivre sa vie. Et on a des petites avancées petit à petit. Donc les disques à enfoncer, c'est plus difficile à lire que sur les disques bas de gamme, sur le cadenas bas de gamme quand même. C'est un peu plus discret sur celui-ci. Et si on enfonce trop loin un disque, eh bien, sûr, c'est très difficile de le faire revenir dans l'autre sens, comme avec l'outil dédié. Un bon clic là. Rester grand chose normalement. Voilà ouverture. Bon, c'est pas le plus simple, mais ça se fait. À bientôt.